On a l'habitude de le voir avec le sourire sur les réseaux sociaux. Mais ce samedi 9 octobre, Mamadou et Maïda Sakho se sont emparés d'Instagram pour exprimer leur colère. Dans des stories, le couple a raconté un épisode douloureux dont a été victime leur fille de 6 ans Sienna. La petite fille a en effet dû faire face à un acte de racisme à l'école. Une autre enfant a refusé de l'inviter à sa fête d'anniversaire à cause de la couleur de peau de la petite fille. Aujourd'hui j'étais archi en colère, la raison de ma colère, ma fille d'amour Sienna a été victime de racisme pour la première fois. En France, à l'école, a expliqué Maïda Sakho dans une longue story Instagram. Après avoir passé plusieurs années en Angleterre où il a joué pour les clubs de Liverpool et Crystal Palace, le footballeur Mamadou Sakho et sa famille ont posé leurs valises à Montpellier. Un retour en France difficile alors qu'il n'avait jamais été confronté à du racisme lorsqu'il habitait en Angleterre. Jamais en 8 ans en Angleterre, elle n'avait été confrontée à ça et bah laissez-moi vous dire qu'heureusement que son père et moi la préparons depuis son plus jeune âge à se forger son identité et à faire face à ce genre de réaction qu'elle rencontrera dans sa vie car oui le racisme est bien ancré aujourd'hui. Je ne pensais juste pas qu'elle allait y faire face à un si jeune âge, a ajouté Maïda Sakho, particulièrement touchée par cet événement. Elle a également souhaité transmettre un message aux parents pour que de tels actes ne se reproduisent pas, éduquez vos gosses, flemme de votre stupidité et votre intolérance. Un couple heureux et parent de 3 enfants Maïda et Mamadou Sakho sont les heureux parents de 3 enfants, Eda et Sienna, 2 jeunes filles âgées de 8 et 6 ans, et un petit garçon de 3 ans prénommé Tidiane. Ils ont récemment permis aux caméras de télévision de découvrir leur quotidien puisqu'ils ont participé à l'émission Championne, famille de footballeurs, diffusée sur TFX. Dans une vidéo publiée en story, la Sakho Family a tout de même tenu à apporter un message de paix et de tolérance, on s'en fout de la couleur de peau, l'important y est-il le cœur. A conclu la petite famille.